Et salut à tous, c'est Tristan B19. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tomb Raider, épisode 3. Il faut aller là-bas parce que le sac est là-bas. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que je vais monter, donc il me faut l'arc. Arc. Rien du tout. Après deux semaines d'attente, ah, je me suis couru dans l'endroit. Et je dois tout remonter. C'est parti. Allez. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Taire-toi, ma fille. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Ouais. Je vais gueuler les gens.
tu vas me lâcher, fils de pute. Je te plante, moi, connard. Encore ? Dans la hutte. Hop là. Titili. Arc. Ça fait plaisir. Je vais te remettre sur pied. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Excusez-moi s'il y a du bruit les gens, mais c'est ma mère qui fait du bruit avec son téléphone. Elle parle, chaque fois elle me dérange, mais c'est pas grave. Parce que le principal c'est qu'on y arrive. Donc le jeu je pense que je vais le finir, hein, franchement.
a laissés ici. Torche. Arc, flèche. Ah, ok, d'accord. Là, il y a un truc. Attendez, je me mute 2 secondes. Je vais juste monter quelque chose. Et re, les amis. Donc. Sortes de mortiers sont pilons, probablement utilisés pour préparer des potions à base de plantes. Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Non, tu vas rien faire du tout, tu vas te calmer. Connard. Con.
Toi, t'es un con. J'ai un mauvais pressentiment. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas. Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit obtenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, hey, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien et vous lui ouvrez le ventre comme ça. Ouais, mais il faut. C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupez. Il va revenir? Je vais le chercher. Donc, mondialement connu. L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamatai ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. Bon, on est reparti les gens. Ok Lara, c'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Ouais, ça c'est pas vrai. Bon, si tu veux. Je vais aller là-bas.
Arc. Pistolet. Arc. Tirer. Non, ça marche pas. Moi j'ai cru que c'était un coup de fusil. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Ils ont besoin de ça. Comment pour le générateur? Et comment on va faire pour monter tout ça? Merde! Merde! Cette fille s'est visée! Et ouais, ma gueule. Fais pas chier.
m'en encore pour une fois pour les bruits, mais bon. Hop là. T'as nulle part où aller, ma jolie. Qu'est-ce que... J'ai adoré te regarder mourir. C'est fini pour toi. Et puis, je le sais. Cette vitre n'a pas l'air solide. Personne ne part. Est-ce qu'il faut tirer là-dedans ? Ma manette, elle est déchargée. Je pense qu'on va se quitter là. Moi je vous dis salut à tous, c'était Tristan19. Abonnez-vous, likez, commentez. Allez, salut.